Ça se présente un peu long, donc on part avec le courant contre et pas beaucoup de vent, donc ça va être une étape qui va durer un petit peu, ouais, avec je pense quelques passages à niveau, sûrement pas mal de difficultés pour monter sur Grinet, puisque là les conditions sont faibles, quoi, comme je disais tout à l'heure. Et puis après Grinet, on devrait avoir le courant avec nous, donc ça devrait aller un petit peu plus vite. h 05, latéral de Cap Blanc-Nez, la flotte mouillée. Disait 10h14-16.
Ouais, c'est une première nuit en mer pour les concurrents, mais aussi pour le comité de course. C'est sûr que les conditions de navigation en mer, la nuit, ça change beaucoup d'un parcours aller-retour entre deux bouées où tout le monde est à cran, accro. Il y a la fatigue, il y a le froid, il y a parfois un peu moins d'attention sur, à bord des bateaux moins forts. Disons que bon, les top teams, on est sûr qu'ils seront au rendez-vous, mais c'est sûr que sur des bateaux amateurs ou étudiants, il peut y avoir de grosses différences à l'arrivée. Là, on vient d'arriver de la traversée Calais-Dieppe. On a eu un problème de génois léger. On a explosé juste après Cap Grenet. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire une bonne remontée pendant la nuit. Et sinon, on a eu aussi toute la pétale juste avant Cap Grenet pour passer la bouée. On avait pas mal de problèmes parce qu'on avait bien remonté au début. On avait pris un bon départ, on s'était fait distancer et après on avait bien remonté. Mais on s'est fait distancer parce qu'on a eu des problèmes avec le SPI. Et le courant nous a redécalé et on n'a pas pu prendre une bonne phase de courant. Donc ça a merdé vers la fin. Ouais.